tout. Bon, je viens de faire le traitement d'Eric. N'empêche, il y a un sac rempli. C'est pas des médicaments, c'est que des gouttes, des colliers, des machins. Et je réponds ici parce que vous m'avez dit c'est dû à quoi en fait ce qu'il a eu à la cornée. Certains me disent oui, c'est peut-être l'excès d'écran et d'ordinateur. Alors pas du tout. Là, on est vraiment sur une allergie qui a duré depuis très longtemps. Et à chaque fois, en fait, il faisait des micro-fissures en frottant. Et il y a eu une inflammation. Et ça fait des mois et peut-être même des années. Ah, et également, regardez ce que j'ai pris. Ça, c'est pour Jack parce que... Laisse tomber le truc, c'est tout petit. Je connais pas, Alpha Cam. Ah oui, soyez les repérés. En fait, c'est des médicaments, entre guillemets, c'est des croquettes, parce que ce qu'on ne vous a pas dit, je vous ai dit qu'il faisait la tête, parce que pendant ses vacances, on est parti 3 fois, mais à chaque fois, c'est 3 à 4 jours. Et ça a commencé là, début juillet, qui faisait pipi un petit peu ailleurs que dans sa litière, et ça tout le temps au même endroit, comme un marquage. Et je crois que c'est parce qu'il est stressé. Du coup, ils nous ont dit de tester ça. Vous savez combien ça coûte? C'est minuscule, 19 euros. Et tu en mets 2 bouchées, donc ça va faire 15 jours. On a commencé hier, par contre, il kiffe. Hein. Voilà. Ça sera ce soir, bébé. Non. Tu es un fou dingue, hein. Sinon... Aujourd'hui, on va aller dans un garage qu'on m'a mis d'office. Ça doit être à 15 bornes, 20 bornes de la maison pour faire les photos qui va transmettre, que le garage transmettra à l'expert. Ah oui, parce que j'ai pas encore fait. Puis après, je pense que ça se fera automatiquement. Donc, on va lier l'utile à l'agréable. J'ai dit, tiens, j'ai envie de faire des photos pour Insta. Ça fait super longtemps, vu que c'est un petit peu dans la campagne. Il y a des endroits sympas. Il fait beau en plus. On va voir, même si je sais que lui, ça le saoule. Il n'aime pas faire les photos. Je vais me faire ce midi un reste de salade, je vais remettre un complément de concombre, burrata, un peu de dinde et puis maïs et feta. J'ai terminé hier ma série, là je vous disais New Amsterdam saison 2. Non, fais pas bouger Jack, descends. Donc, j'en ai plus de série à regarder. Faut que j'aille faire un petit tour peut-être. Ah si, peut-être sur... on a aussi Prime Vidéo. Il faut que je prenne une photo. Où est-ce qu'il est mon téléphone? Refais ta tête, bébé. Merde. Ouh. C'est risqué tout ça, ma puce. Hein. Donc je disais, j'aime bien rechercher avant, prendre le temps, et comme ça après je me pose et j'ai ma série, parce que quand tu dois chercher, des fois tu dis bon allez, tant pis, je prends celle-ci par défaut, par dépit, et puis t'es un peu déçu. Vous voyez ce que ça donne, l'installation. T'es beau, dis donc. Bon, on va pas tarder, j'ai remis du coup le t-shirt. Il était propre. Pour faire les photos avec. J'ai mis un pantalon, les baskets, je les aime trop. Moi, je vous montrerai, vous verrez ça, hein, ça sera plus simple de plein pied. J'ai mis le rouge à lèvres que j'aime beaucoup. Voilà, dans le garage Citroën. Pour faire, en fait, ils vont faire les photos qu'ils vont envoyer à l'expert. Il doit être 14h30. Figurez-vous qu'il y a beaucoup plus de dégâts que ça. Donc heureusement que je lui ai dit à la dame. Il y a le pare-choc, il y a des choses qu'on n'avait pas vues en fait. Et effectivement, une fois que tu mets le nez dedans, tu dis ah oui, le phare, tout quoi. J'ai super rue juste à côté, mais impressionnant. Heureusement que le gars, il a tout vu. Hein. Ça va avoir un coup. Donc là, je crois qu'Eric m'a dit on s'arrête là, il a besoin de piles. Il y a des rappels sur énormément de glace, essentiellement bien sûr des glaces à base de lait, hein. Parce que par exemple, qu'est-ce qu'ils te disent à vie au consommateur, la présence d'oxyde d'éthylène à des niveaux supérieurs, c'est hyper rassurant. La personne qui en consomme tous les jours depuis des mois, c'est génial. Donc je cherchais mes petits, quoique je ne vais pas le prendre parce que là on est à 25 km de la maison, mes glaces à l'eau, mais c'est impressionnant quand même les rappels. Hein. Ils sont emparés de faire des photos ou pas? Dans la pampa, ça va être encore des photos et sans des choses. Mais c'est pas la bonne heure. C'est jamais la bonne heure avec toi. Le matin, c'est trop tôt. Le soir, la lumière est pas bonne. Il y a trop de lumière. Il n'y a pas assez. Bon, dis clairement, tu ne veux pas faire de photos. C'est pas ça, mais c'est pas beau de faire des photos à ce temps-là. On est rentré et finalement, il n'y aura pas eu de photos. Je pense que j'irai demain. Et c'est vrai que peut-être la lumière est trop forte. Du coup, je vous ai pas montré mon look. Les courses, ça a été vraiment rapide. J'ai envie de fruits. Ça, j'ai envie de faire des smoothies, bananes. Ça, c'est pour aller avec le melon. Je vous dis, je coupe du pain et puis ça, il en a besoin, des LED. Qu'est-ce qu'il y a, bébé chat? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais que là, c'est deuxième goutte, il y en a 4 par jour. Je te les fais maintenant?
Ouais, les baskets, bien, mais... Chaud. Nous sommes le lendemain. Attendez, je donne les petits, on va dire, médicaments, ouais, vite fait, de Jack. Et après, je vous reprends. Oui. J'étais en train de bosser, je faisais mes petits trucs. Téléphone sonne, parce qu'Eric est parti dépanner ma maman, plus de batterie. Enfin, bon, bref. Et il m'appelle, il me fait, bon, bah, ta maman m'a invité à manger. Voilà, bah écoute, je sais que toi tu vas être... Voilà, ça c'est le message, je sais que toi tu vas voir, tu vas me dire, non, je suis trop occupée, j'ai 15 000 choses à faire, mais nous t'attendons quand même, allez, au revoir, il me raccroche au nez. Voilà, ça c'est Eric, donc bah forcément, j'ai tout plié, j'ai fini ce que j'avais à faire, et je vais y aller. Oh, mais il fait particulièrement beau, dis donc. Donc en fait, ils savent même pas que je viens, hein, puisque je vous dis, il m'a raccroché au nez, genre c'est un ordre. Bah alors, on m'attend pas? Ah, la nouille, okay. Bah, tu me raccroches au nez. En fait, tu m'as pas laissé le choix. Non, mais t'es contente que je sois là? Ah bah, bien sûr. Ah bah, bien sûr, oui. Mais moi, je... Oui, mais attends. Quoi? Je n'y croyais pas. Hein. C'est vrai? Non. Je suis une femme très prise. Oui, je te fais le petit massage. Petit massage. Attends, si je fais ça, ça marche. Oui. Peut-être pas les nappes authentiques. On est revenu, bah vous savez quoi, on a bien fait d'y aller, il faisait beau. Je vais faire mes photos dans l'après-midi, mais je vais faire ça toute seule. Eric lui va chez le coiffeur, je lui ai pris rendez-vous parce que c'est sa rentrée mercredi. Même si mercredi après-midi, il va pas pouvoir y aller parce que l'ophtalmo il a bien dit qu'il voulait absolument le voir mercredi en urgence pour voir si le traitement, s'il réagissait bien. Oh, putain, c'est le traitement qui le rend comme ça. Non, parce que je sais pas, je t'entends chanter un dialecte chelou. Je pense que, ouais, je vais aller faire mes photos, mais toute seule. Ouais, avec un trépied. Je vais faire une petite session montage. Bon, après, j'y vais. Bon, je vous le dis, j'ai la flemme. Et alors, la flemme d'aller faire des photos. Déjà, parce qu'il faut que je me travaille tout le matériel. En plus, ma tête, elle brille de partout. J'ai eu chaud. Donc, je pense que je vais pas être productive. Tive, et bah, je vais repousser. J'ai horreur de procrastiner hein, parce que c'est un peu la facilité, mais là je pense que ça donnera rien. Vous l'aurez compris, les photos on annule. De toute façon, en plus, Eric il va pas m'aider parce qu'il est en mission secrète dans son bureau. Bah, je vais. Ah, attendez, regardez un truc. Comme je vous expliquais, je suis à la recherche d'une nouvelle série, et bah ça va être sur M6. Ils étaient 10, je crois que c'est Ambiance Agatha Christie. Et le premier épisode, c'était le 17 août, pour mon anniversaire. Donc c'est cool, parce qu'il ne faut pas traîner, des fois après ils les enlèvent. Donc si tu as perdu le fil, et il y a 4 épisodes. Attends, on va aller en immersion. J'en peux plus, je n'en peux plus, ce gars. Non, mais regardez la mignonnerie. Ah non, par contre, maman, elle ne veut pas entendre ça. Tu ranges tes griffes, s'il te plaît. Je te rappelle que ce canapé est tout nouveau. Donc respecte un petit peu, s'il te plaît. Déjà que ton père, il m'a pas tellement respecté aujourd'hui en me raccrochant au nez. J'aimerais qu'au moins une personne dans cette maison me respecte. D'accord. Aujourd'hui, j'ai eu pas mal de nouvelles. Déjà, je vais revoir mes parents, là, très vite. Donc c'est cool, on va se retrouver, on va aller manger au resto dans la semaine. Et il est fort probable que nous retournions au Sable d'Olonne juste une fois, comme ça, une nuit. Je sais pour Jack, mais bon, c'est juste une nuit. Voir les parents, la famille d'Eric. Et ça, c'est cool, en espérant qu'il fasse beau. Et ça, c'était les deux nouvelles du jour. Et je crois qu'il y en avait une troisième, mais je ne l'ai pas. C'est déjà pas mal. Bon, bah voilà, vous l'aurez deviné, nous sommes le lendemain. C'est le matin. Et j'ai voulu enfin faire la séance photo. D'ailleurs, il fait frais, donc j'ai mis avec mes nouvelles baskets, le nouveau manteau que j'ai eu aussi pour mon anniversaire. Mais le problème, c'est que là, on a fait, parce qu'Eric est là pour m'aider. Aucune n'est exploitable, les réglages de mon... Je fais avec mon téléphone, tout est flou, tout est trop rouge, tout est trop vert, donc on est en train de regarder. Je sens que je n'aurai jamais de photos. Enfin, en tout cas, je sais pas pourquoi. Sinon, le coin, bah, j'adore, quoi. C'est super joli. Alors, faut faire gaffe, le jour où je vais faire des photos, peinture fraîche, ils te mettent. Donc ça limite un petit peu les pauses. Tu t'en sors? Réfléchis. Bah ouais, réfléchis, ouais. Ouais, non, on doit être sur du 19 degrés, là. L'habitude. Je vous explique, il y a une dame qui est arrivée, et vous avez pas vu un gros chat un peu marron, roux? On fait bah non, et là j'entends, voilà,
Il fait partie d'une association des chats qui seraient récupérés et ce monsieur fugue, donc il faut que je le ramène au refuge. Je ne sais pas où est ton refuge. Bah montre-moi le chemin. Oh, c'est pas possible. Bah du coup rentre bébé, tant pis, on fait pas de photo. Oui, viens, je te ramène. Oui, je vous dis. Bah oui, montre-moi. Où est ton refuge? Le chat qui me suit. Vous connaissez le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux? Et moi, c'est la femme qui murmurait à l'oreille des chats. Allez! Viens vite! On ne se connaît pas, tu ne m'insultes pas, s'il te plaît. Bon, allez, viens! Ah si, bah si! Si, hop! Allez, me fais pas tomber! Si, si, je pense savoir où est l'association. T'es où? Bêche-toi! Oh oui! Allez, viens! Viens! Allez, bêche-toi! On accélère un peu. Allez, viens! Allez, pépère, viens! Bah oui, il fait partie de son heure de promenade. T'as le droit à tes 3 heures de sortie. Ah bah voilà, donc c'est bon. Oui, 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 il va rentrer. Tu viens, Lulu? Il s'appelle? Oui, c'est un garçon, il s'appelle Raymond. Raymond,